Amis sportifs, bienvenue à tous dans ce journal de sport sur Perfect Télévision, votre chaîne qui vous permet en tout cas d'avoir toutes les matières, toutes les informations en ce qui concerne les sports. Merci et surtout bonne fête à toutes les dames de la République démocratique du Congo et d'ailleurs bonne fête à toutes les femmes sportives de la République démocratique du Congo en ce 8 mars 2022. Ce journal sera en tout cas essentiellement basé sur beaucoup d'actualités, notamment les beach volley avec la clôture de l'Open du Cameroun. D'ailleurs, pardon, pas la clôture, mais la compétition qui est arrivée en demi-finale. On parlera également dans cette édition du journal de préparatifs du match RDC-Maroc. Vous le savez, la rencontre est prévue le 25 mars à Kinshasa. Et du côté de l'effectif congolais, en tout cas, les éléments continuent à renforcer le duo. C'est le cas de Théo Bongonda, qui a obtenu son passeport de service, donc éligible pour cette rencontre. Allez, c'était donc là l'ossature de cette émission. Une fois de plus, bienvenue à tous. Démarrons cette édition par les nouvelles du beach volley, comme je le disais tantôt. Ça se clôture déjà d'ici dimanche, mais en attendant, la compétition a atteint, n'est-ce pas, une phase de croisière avec le match de quart de finale. La Guinée, en première heure, a dominé la République sud-africaine et puis le Rwanda a été, en tout cas, la grande surprise de cette étape de quart de finale en éliminant tout simplement les Guinéennes. Regardez. L'équipe féminine de beach volley de la Guinée a été éliminée ce samedi en quart de finale par l'Afrique du Sud. C'est pour le compte de la poule A que les deux équipes se sont affrontées. L'Afrique du Sud a devancé la Guinée au premier set par 21 à 14 et au second set par 21 à 16. Le match s'est achevé en faveur des Sud-Africaines. Comme n'importe quelle équipe, nous analysons le match avant la rencontre. Lorsque nous avons vu jouer la Guinée, nous avons compris qu'elle ne représentait pas une menace. Donc le message aux filles était, allez-y, détendez-vous, profitez du match. Et c'est comme ça qu'elles l'ont gagné. La Guinée n'était pas du tout une équipe dangereuse. Pourtant, la Guinée n'a pas démérité. Sur les 4 matchs livrés au total, elles en ont perdu que 2. Selon leur entraîneur, leur défaite contre l'Afrique du Sud s'explique par plusieurs facteurs. J'ai eu des pieds aujourd'hui qui n'étaient pas bien concentrés, qui avaient un peu de tract. Mais l'Afrique du Sud, normalement, ne devait pas nous effrayer. Elle pouvait remonter s'il y avait une décision un peu plus poussée, un engagement un peu plus poussé. Je vous assure que l'équipe n'a pas joué à 50% de sa valeur qu'on connaît. Toujours dans la poule A, l'équipe féminine de beach volley du Rwanda s'est imposée devant l'Algérie en quart de finale. Ce n'est pas facile parce qu'on a joué le troisième set. En tout cas, nous avons eu des difficultés de service. Ils ont eu un service fort. Normalement, on s'était préparé, on s'était suffisamment préparé, mais on a eu un problème de réception. La joueuse qui a eu des problèmes de réception était une joueuse très forte à réception. Pour leur prochain match, les Rwandaises joueront contre l'Afrique du Sud en demi-finale. Allez, vous avez bien corrigé avec nous, donc le Rwanda a plutôt éliminé en quart de finale l'Algérie et non la Guinée-Conakry. Allez, changeons de chapitre pour parler cette fois du noble art, la boxe, vous le savez. La compétition prévue déjà au mois d'avril prochain, c'est bien le championnat d'Afrique de la zone 3. Et cette compétition va réunir plusieurs nations d'Afrique centrale. Et d'ailleurs, c'est bien Kinshasa, capitale de la RDC, qui va abriter le tournoi, a dit à notre micro le président de la fédération de boxe, monsieur Ferdinand Ilungaluyoyo, qui était l'hôte du ministre des Sports dans une audience accordée le week-end. Regardez. Du 4 au 10 avril de l'année en cours, la RDC va abriter les championnats d'Afrique des boxe de la zone 3. Les préparatifs et l'organisation de cette compétition ont fait l'objet de ces échanges entre les ministres des Sports et Loisirs et les comités de la Fédération Congolaise des boxe, conduit par son président Ilungaluyoyo. Le pays va recevoir à peu près 20 pays de boxe. La boxe, c'était que normal que nous puissions informer les ministres et rappeler pour dire que c'est le 4 et présenter notre cahier des charges. Pour sa part, le ministre Nkonde a rassuré au comité de la Fédération Congolaise des boxe de l'accompagnement du gouvernement. Plus de 20 pays ont accepté de participer à notre championnat ici à Kinshasa. Et le ministre peut que nous accompagner, il est très positif.
Fort de son expérience à la matière, le président de la Fédération congolaise de boxe reste bien confiant quant à la prestation des boxeurs congolais à ces championnats de la zone 3. Dernièrement, on avait organisé aussi zone 3 ici. Tout est déjà fait, voilà quoi. On ne peut pas être pays organisateur et rester sans médaille d'or. Donc, ils sont en train de se préparer. C'est pourquoi vous avez vu dans notre équipe, on est accompagné même avec le staff technique et à tous les amoureux de la boxe de nous accompagner pour notre réussite. Il appartient donc aux boxeurs congolais de relever une fois de plus ces défis. Allez, changeons de chapitre pour parler cette fois du sport roi, le football, mais nous allons le conjuguer au féminin avec le football dame au niveau du championnat provincial du côté du Katanga, à Lubumbashi précisément, où le TP Mazembe dame a atomisé tout simplement le grand club Motema Pembe Bikira sur la note des 6 buts à 1. Regardez. Une danse toute particulière, la circonstance l'est autant. 6 buts à 1 contre le Daring Club Motema Pembe, il y avait de quoi célébrer ce samedi 5 mars 2022 au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Tous les buts sont d'une beauté remarquable, avec au passage un triplé pour Mireille Kanjinga. Discrète pourtant en début du match, l'ancienne de FJKK a attendu la deuxième période pour s'illustrer. Après une bonne course et un balayage remarquable de la défense des Imaniennes, Kanjinga marque le quatrième but des Corbeaux, son premier personnel à l'heure des jeux. 8 minutes plus tard, la Dossard 6 est à la conclusion d'une action collective. Le centre de Vukulu est bien dosé pour faire la différence. Le triplé de l'ex-Jadovilloise est réussi à 3 minutes du terme. L'action est similaire à la précédente, mais cette fois combinée en plein axe avec Esther Ndikisha pour le 6e but de Mazembe. En première période, c'est Richanel Kiteko qui avait ouvert le score dès la 3e minute. Emeron de Mawanda a quant à elle signé un doublé, 5e. Cette fois combiné en plein axe, ouvert le score dès la 3e. Qui va trouver Dikisha. Minute. Emeron. Avec cette incursion. De Mawanda a quant à elle. Oh elle s'est signé un doublé. Et 30e minute. Magui, sa fille et ses filles ont véritablement carburé. Oh elle s'est signé un doublé. Ce qui n'a pas du tout surpris Eric Siao, coach adjoint de DSMP. Je viens de perdre, mais je le savais déjà. Je le savais, mais je suis venu quand même limiter un peu les dégâts. Alors, il n'y a pas trop à reprocher à mes joueurs, sinon ça ira. Mazembe a tout de même concédé un but à 5 minutes de la fin, ce qui laisse transparaître une sorte de relâchement. Pour un club qui vise la Ligue des champions de la CAF, c'est bien dangereux. Jeff Kapondo et ses protégés se doivent de s'améliorer pour éviter toute surprise, alerte un analyste qui a requis l'anonymat. Allez, c'était donc là cette correction hein, du TP Mazembe féminin au Daring Club Motema Pembe de Lubumbashi. Allez, venons-en cette fois à cette actualité très très attendue ici à Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo. C'est bien évidemment, n'est-ce pas, cette rencontre qui opposera le 25 mars prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte, les Léopards de la RDC au Lion de l'Atlas du Maroc. Comme vous le savez, la rencontre s'inscrit dans le cadre du tour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour ce faire, pour y arriver, la RDC peut compter sur les services de Théo Bongonda, cet attaquant international congolais qui évolue du côté des gangs. Nous sommes en Belgique, a obtenu ce mardi son passeport de service, éligible donc pour la double confrontation. Regardez. Fini avec les formalités administratives à Kinshasa, l'international congolais Théo Bongonda est désormais éligible pour la double confrontation. République démocratique du Congo-Maroc comptant pour le barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce mardi, le sociétaire de Genk était reçu par le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, avant son retour en Belgique. J'ai terminé toutes les démarches que j'avais à faire et puis je suis venu avant de rentrer en Belgique. Déjà dans la fièvre de cette double confrontation, Bongonda se dit prêt à donner le maximum avec la sélection congolaise. On va vraiment tout donner pour qualifier le pays pour la Coupe du Monde. Fier de jouer pour la République démocratique du Congo, Théo est surtout reconnaissant envers les Congolaises et Congolais pour tout l'amour qu'ils lui témoignent. Je vois beaucoup de gens qui me remercient, mais c'est moi aussi qui dois les remercier pour la force qui nous envoie à tous. Et la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va vraiment tout donner pour essayer de qualifier le pays pour le mondial. Le rendez-vous est pris pour le rassemblement.
Voilà, Théo Bongonda qui donc rejoint la tanière de la RDC, c'est une très 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 bonne nouvelle, puisque on était quand même douteux, et voilà qu'il sera bien là pour cette double confrontation. Alors on va rester dans le football, cette fois pour revenir, sinon vous faire revivre un événement très 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 important pour la République démocratique du Congo. Cet événement s'est déroulé il y a 13 ans en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan, la République démocratique du Congo jouait pour sa première fois le championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs locaux, joueurs évoluant sur le continent. Et pour sa première édition, la RDC a remporté les trophées en battant en finale le Ghana, 2-0. Les Ghana d'ailleurs, que la RDC avait rencontré en phase de groupe, qu'il avait battu d'ailleurs 3-0. Mais cette fois-là, les Black Stars du Ghana avaient bel et bien laissé leur plume. Et la RDC s'était donc adjugé le trophée. Et c'était un certain 8 mars 2009. Aujourd'hui, 8 mars 2022, ça fait exactement 13 ans. Pour remporter le premier trophée du championnat d'Afrique des Nations, la RDC a gagné 3 matchs, concédé un nul et une défaite. L'entame et la clôture ont réussi pleinement aux Congolais qui ont passé 2 buts à leurs adversaires. Et à chaque fois, c'était en seconde période qu'ils se sont illustrés. Le 23 février 2009, les Léopards ne font que du boucher des verres de la Libye lors de la première journée du groupe B basé à Boaké. Alain Kalutu Kadioko ouvre le score pour les Congolais sur une passe lumineuse de Trésor Mputumabi avant que le même Poutou ne provoque quelques minutes après un pénalty transformé par le capitaine Serge Lofobongeli. Victoire nette, 2-0 de la RDC. Après avoir présenté une bonne image dès l'entame de la compétition, les Léopards pouvaient prétendre à une qualification en demi-finale dès leur deuxième match face aux Warriors du Zimbabwe le 26 février 2009. Et ils tiennent bien leur statut en ouvrant le score très tôt par Trésor Mputumabi sur une passe millimétrée de Serge Lofobongeli. Mais quelques minutes après l'ouverture du score, la RDC concède l'égalisation sur cette tête en extension de Philippe Maroufou, la star zimbabwéenne. Le match aurait même tourné à l'avantage des Warriors si Joel Kimwaki n'était pas intervenu sur cette action ultime. Score du match, 1-0 et la RDC garde la tête du groupe et doit maintenant chercher un point lors de son dernier match de poule face au Ghana le 1er mars 2009. Ce match se transforme vite en un cauchemar pour les Congolais qui concèdent un but peu avant la mi-temps sur cette erreur de main de Robert Kidiaba, fusillé par l'artificier en chef ghanéen Charles Bismarck Asampong Taylor. À la reprise, la défense congolaise multiplie les fautes qui se payent cash. C'est d'abord Ngoyi Bomboko sur cette erreur de marquage qui permet à Ankuyao de doubler la mise. Ensuite, Kouloukou Tamiala rate son geste risqué dans la surface qui offre le 3e but à Owusu Antsa. 3-0, la RDC passe à la correctionnelle et doit sa qualification au nul vierge de 0-0 entre le Zimbabwe et la RDC, alors qu'une victoire des Warriors éliminerait les Léopards. Coup de chance pour la RDC qui hérite en demi-finale de la Zambie le 4 mars 2009. Et voici le réveil des Léopards de la RDC. On joue 3 minutes dans ce match. Serge Lofobongeli sort une superbe frappe du pied gauche, concluant une action congolaise. C'est vraiment du Serge Lofobongeli qui nous gratifie avec cette ouverture du score. Si cela ne suffisait pas, Alain Kalutu Kadioko, lancé ici en profondeur par Bedim Benza, envoie à son tour une praline dans les buts adverses. Encore une fois de plus, le gardien zambien Taoumboa est battu. 2-0, les Léopards sont dans leur demi-finale et gèrent bien leur avance jusqu'à la 85e minute, marquée par le réveil zambien. Le buteur maison Given Singuluma, sur cette tête piquée, redonne de l'espoir aux Chipolopolo Boys qui vont se battre en fin de match.
Malgré la frayeur, la RDC est en finale de ce championnat d'Afrique des Nations, ce qui n'était plus arrivé depuis 35 ans. Et déjà à ce niveau, la RDC a réussi son championnat d'Afrique des Nations. Et si les Léopards arrivaient jusqu'au bout, en tout cas face aux Black Stars qui les avaient croqués en phase de groupe, ils ne sont que des petits poussés en ce dimanche 8 mars 2009. Mais c'est mal connaître les Léopards qui vont déjouer tous les pronostics dès la première minute du match, même s'il a fallu attendre la deuxième période pour voir des buts. 46e minute, Alain Kalou Kadioko d'une tête piquée sur cette passe de Serge Lokobongili ouvre le score avant que Bedim Benza découpe tout suspense à ses duels en alourdissant la marque à la 75e minute. À l'arrivée, 2 à 0 pour la RDC qui inscrit le premier son nom au palmarès de cette compétition après un parcours des gladiateurs ponctué par 7 buts marqués et 5 concédés. Et voici la RDC sur le toit de l'Afrique. On dit faut libérer les yeux, on libère les gars, on libère. On libère, on libère, on tend les mains, on bouge les pieds, on bouge la tête, Zouglou. Allez, vous avez bien reconnu la voix de l'expérimenté Charles Mbouya, nos confrères qui évolue présentement du côté de Canal Plus. Il y a un dossier très riche en images, il fallait se rappeler à mémoire cette consécration et depuis quelques années avec Jean-Florent Ibenge, la République du Congo a remporté sa deuxième compétition dans ce champ. C'était cette fois-là au Rwanda, à Kigali. On va revenir au pays pour parler de l'écho de certains clubs, notamment le dernier club Motema Pembe, où les nouvelles ne sont pas très très bonnes pour ces cadres. Tenez, lors du dernier mercato, le dernier club Motema Pembe a perdu Thomas Njoto, Desi Mbomba et d'autres joueurs. Maintenant, on parle du départ pour l'Afrique du Sud d'un certain Karim Kivuidi. Faux ou vrai, en tout cas, le débat est lancé. Sinon, le président de Karim Kivuidi a démontré l'information, c'était dans un entretien accordé à nos confrères de la radio Top Congo. La nouvelle a fait parler d'elle sur la toile. Karim Kivuidi, excellent milieu de terrain du dernier club Motema Pembe, n'est pas à Kinshasa. Il se trouverait présentement en Afrique du Sud où il a été contacté pour signer au sein de Mamelodi Sundowns, l'un des clubs phares d'Afrique du Sud, avec l'accord de son club formateur, les Tout-Puissants Les Anges, et son club actuel, le dernier club Motema Pembe. Comme tout le monde, j'ai su ça via les réseaux sociaux. Donc ni le joueur, ni les représentants du DSMP, encore moins du TP Les Anges, m'ont contacté, ni Mamelodi, personne ne m'a contacté pour me dire qu'il s'intéressait à mon joueur, donc le joueur dont nous gérons les intérêts. Le joueur, j'avais discuté avec lui parce qu'il y avait déjà des échos concernant un club français Amiens. Le joueur m'avait confirmé qu'effectivement, il y avait Amiens qu'il avait approché mais via les TP Les Anges et il m'avait donné le contact de l'intermédiaire que Amiens avait mandaté. J'ai pu discuter avec lui. Mais concernant Mamelodi, je n'ai pas discuté avec le joueur, j'ai essayé de l'appeler, mais je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Donc là, actuellement, étant en France, il est un peu difficile pour moi de pouvoir le voir physiquement. Le joueur, effectivement, en tant que joueur, il appartient au TP Les Anges, mais le joueur, ses intérêts sont représentés par mon agent. Ça fait maintenant 2 saisons et demie. C'est quelle agence? Et mon agent s'appelle Vestiaire 32, donc il s'occupe aussi des intérêts de Moukoko Amalé et de Inon Abaka et également Marcel Tisserand. Si c'est confirmé qu'il y a des pourparlers entre DSMP Les Anges et Mamelodi, sans votre aval, sans votre accord, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben écoutez, entre les clubs, ils ont le droit de discuter entre les clubs. Et tout ce qui s'agit, à un moment donné, de l'intérêt de joueurs, là, nous devons être au courant. S'il ne le faut pas, nous sommes prêts à recourir avec nos avocats, voir quelles actions nous pouvons mener pour respecter nos droits. Ouais. Une version redoutée par l'agent du joueur, joint au téléphone par la Radio Top Congo. Karim, en Afrique du Sud, l'information n'est pas vraie, à en croire la présidente du club formateur du joueur, Huguette. Karim, nous on ne travaille pas avec M. Patrick. Et puis ce n'est pas son joueur. Il a dit qu'il y a un contrat signé, Karim a signé des papiers et c'est lui qui est censé vraiment négocier. Maintenant, le si lui n'a pas trouvé
lui maintenant, s'il n'a pas trouvé de club à Karim, et puis demande-lui, est-ce que lui avait signé avec Karim en Afrique? Parce que Karim, certainement, où il est parti, c'est dans un club africain. Karim est où présentement? Où il est, même moi, je ne sais pas, mais il n'est pas à Mamelodi. Mm-hmm. C'est vraiment une rumeur où Karim, il est, personne ne connaît. Le joueur m'a dit, il est à Kinshasa, donc moi, je crois au joueur. Le joueur est sous contrat avec DCMP, son contrat, ça se termine au mois de juin. Donc, je ne peux pas imaginer quelque chose. Donc, ce que les gens sont en train de dire, c'est vraiment des rumeurs. Nous, de notre côté, nous sommes calmes, nous n'avons aucune offre, que ce soit DCMP ne nous a pas aussi appelé pour nous parler de la situation. Lui qui est manager du joueur, il était censé connaître. Maintenant, lui, comment il ne connaît pas? Il veut seulement venir bouffer l'argent gratuitement. Il a fait ça avec Varane Indongo. Les gens des Vestiaires 32 disent avoir des documents signés par le joueur qui leur donnent le pouvoir de négocier tout marché. Est-ce que vous êtes au courant de ces documents? Bon, je ne veux que... Il y a un problème avec des managers ici dans notre pays. Moi, je pense que c'est souvent des commissionnaires qui viennent ici au Congo pour vraiment prendre en otage des enfants d'autrui. Karim n'a plus de contrat avec eux, c'était un contrat de une année. C'était un contrat de une année d'objectif, c'était pour l'Europe. Les anges et calme, nous sommes concentrés avec nos joueurs qui sont en train de jouer la première division de Kilimanjaro. C'est donc un dossier à suivre dans les jours qui viennent. Voilà, c'est vraiment un dossier à suivre dans les prochains jours. On va atterrir petit à petit dans cette édition du journal, madame, messieurs, pour parler de deux nouvelles noires. Les mondes sportifs de la République du Congo, vous le savez, est éprouvé depuis la disparition de Kabasu Babo. C'est un ancien défenseur du Dunkla Motema Pembe, mais également léopard de l'RDC. Il a été d'ailleurs mondialiste en 74. Mais depuis son décès le 31 janvier 2022, eh bien, l'enterrement pose problème en raison des finances. Voilà pourquoi un bienfaiteur, ancien président de la section football de DCMP, M. Paul Kassembele, s'est rendu sur place et accompagné, n'est-ce pas, des anciens joueurs d'un club Motema Pembe, il a remis une enveloppe consistante pour permettre à ce que les obsèques se tiennent. Regardez. Ayant appris la nouvelle du retard dans l'organisation des obsèques de Kabasu Babo, un des anciens joueurs du Dan Club à Motema Pembe et mondialiste des Léopards du Zaïre en 1974, Paul Kassembele et l'association des anciens joueurs du DCMP ont pris l'initiative d'effectuer une descente à la famille de l'illustre disparu le lundi. Une courte prière, puis s'en est suivi un échange de réconfort avec la famille du défunt. Question d'éprouver qu'on reste une famille malgré le décès qui a plongé à tout le monde dans l'angoisse. J'étais avant parce que Balanda est naïmana, na équipe nationale. Biso au menu Oyo, tout ça bah imanier, à supporter. Pour une équipe d'autoé, ah on a compte il y a des rings, il y a des SMP. Et on te dit tout à là, l'ingo soit qui l'ikama. Adim Sati, ancien dirigeant imana. Papa Paul Kassembele a dirigé Imana. Tango, l'ikama o et komelio, bah ancien joueur, bah ikomona keno, bazo luka, bah consignon soit Imana. Ndengo moni, bah soupe bakouya, parce que bah ça n'a besoin pas compatir, n'a pas su o et komika tanda kunayo. Et en baba keno, papa comme aza papa o a déjà rappé kipi oyo, en fait papa Boboto, papa paye à Mawa, à Bakibon, malgré moussa les ébélés. En tout cas, ça m'a casse quand même à coûter un aïe. Présent sur les lieux, l'ancien président de la section football des Immaculés de Kinshasa, Paul Kassembele, qu'accompagnait le président des supporters du Dan Club Motema Pembe, va remettre une enveloppe consistante pour soulager l'organisation des obsèques. Hier, on a eu appel à l'ancien joueur, on a vendu comme souci. En tout cas, on a voulu quand même à famille. On a demandé pour partager mon temps de Le geste est posé et fort, il ne peut en aucun cas laisser indifférent ceux qui étaient présents. Bolingonde ango tolobaga. Bolingo ango elo mususu te bolingonde ango. Pena oyo sono mosali. Après ce geste, la famille va certainement se lancer dans l'organisation des obsèques de Kabasu Babo. Voilà, très bon geste de cœur, en tout cas, de Paul Kassembele et des anciens joueurs d'un club Motema Pembe. On va continuer dans ce même registre cette fois. Vous savez, Fassa Tombisa n'est plus également depuis presque un mois et demi. Eh bien, le programme de ses obsèques sont connu, en tout cas, le programme est connu, pardon, c'est déjà ce mercredi 9 mars, veillée mortuaire à la place Assanef. Nous sommes dans la commune de Lingwala.
prière, témoignage. Et puis le jeudi 10 mars, levée du corps de la morgue de cinquantenaire pour la radio-télévision nationale congolaise, pour une heure, n'est-ce pas, des hommages. Et puis 10h, manifestation officielle, intervention, mot de la famille, gerbe, dépôt de gerbes de fleurs. Et à 13h pile, départ pour le cimetière. Chemin du paradis, c'est donc vers Meteke, vers donc les Mitendi, voilà. Et puis à 17h, bain de consolation à l'espace Asanef dans la commune de Lingwala. Ce communiqué tient lieu de faire part et le communiqué signé comité d'organisation François Kaboulo, Moana Kaboulo, coordonnateur assistant. Allez, mesdames, messieurs, c'est donc sur ces deux notes de page noire que nous bouclons complètement cette édition du journal. La deuxième livraison de cette semaine. Dites un grand merci à l'équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous. Merci à Emmanuel Mwamba qui était à la réalisation. Merci à Luizon Kiassi. Merci également à Deps Vita, le directeur de programme qui nous fait confiance, et surtout à notre DG Peter Tchani. Mesdames, messieurs, retrouvez votre rédaction des sports déjà demain mercredi pour une nouvelle édition des sports sur Perfect Télévision. La perfection dans la simplicité. Au revoir.